Quoi? Cas. Ou ta lecture. Quoi? Demi. Je comprends pas. Voilà. On fera quand tu vas payer. Bon. Prends la prochaine personne. Oui. Entrez. Madame, on voulait quelqu'un de la voiture pour déposer les affaires à l'intérieur. Ok. Salut, je vais te faire ta lecture. Je vois beaucoup de ralentissement. Oh, on a fait de telle façon que tu vas beaucoup bosser sans voir le résultat. Tu fais beaucoup d'efforts. Et ça demande trop d'énergie pour te sortir de ton trou. Oui, trop d'énergie. Ceci est dû à la jalousie. Beaucoup de personnes te jalousent. Et tu es quelqu'un que tu n'as encore jamais vraiment vu le succès ni l'argent. Et tu te demandes, mais si on me jalouse, c'est même pourquoi? C'est parce que tu es censé, mais tu n'as pas. Tu es censé, mais tu ne fais pas. Tu n'as pas encore fait. Et cette jalousie-là, c'est quelque chose qui a bloqué ta créativité. Tu vois quelqu'un très créatif. Quelqu'un que tu, par ta beauté, même seulement ton attirance, tu pourrais attirer les gens vers toi et ils te donnent ce que tu demandes. Donc, tu es aussi censé avoir beaucoup de... lancer des projets caritatifs, des projets qui ont pour but d'aider les gens, même si tu fais de l'argent, mais ça aide d'abord les gens. Bon, je vois beaucoup de blessures d'enfance qui doivent d'abord guérir, des blessures d'enfance. Donc, ton âme doit d'abord guérir. Parce que ça fait que tu dépenses par impulsion, tu dépenses par émotion. Et même si tu te lances, parce que tu as le commerce, c'est l'une de l'un de tes points forts. Tu es censé faire le business. Mais dans le passé, tu as essayé, tout ce que tu as gagné, c'est encore parti. Généralement, pour aider quelqu'un, ton père, ta mère, ta soeur, des personnes que tu devais aider. Voilà. Tu as ce pouvoir de guider les gens. Tu es comme une sorte de guide de traversée. Mais tu es encore un peu en arrière dans ta destinée. Voilà. Et tu dois changer de voie. Apparemment, pour l'instant, tu fais ce que tu fais pour plaire aux gens. Ce que la société dans laquelle tu vis t'a dit. Voilà que tu demandes à percer dans le système. Tu as aussi le don de guérison. Tu peux guérir les gens. Tu as le don de guérison. Et tu as l'impression souvent que tu ne peux rien faire avec ton don. Comme si les gens ne vont pas te comprendre. Investis-toi plus profondément dans ton travail spirituel. Pas comment tu as abandonné. Maintenant, tu dois prendre... Demande un lavage à distance. Les lavages sont en promotion aujourd'hui à 20 000. Oui, et tu demandes un couronnement aussi. Oui, tu as beaucoup de pouvoirs qui doivent s'activer. Et tu fais aussi le truc au village, un salaka au village. Bon, tu es une personne très... Ton énergie, ton champ de protection est très attaqué. Ce qui fait que tu n'as pas confiance en toi. Tu es censé vendre ou faire... Tu es censé faire du business. C'est ça qui doit te donner normalement de l'argent. Mais chaque fois que tu as commencé, tu es tombé. Maintenant, tu es un être très spirituel. Il faut que tu relies ta spiritualité avec ce qui te donne l'argent. Donc, que tu écoutes même, tu fasses le business de façon intuitive. On ne fait pas seulement le business parce que quelqu'un fait autour de soi. Maintenant, tu as aussi... Continue. Tu as beaucoup de courage. Mais quand tu es dans un mauvais environnement, on te suce ton courage. Tu es aussi une reine.
Tu es une reine. Et ton troisième œil, je vois un peu comme si tu es sur une bordure, une frontière. Ton troisième œil veut s'ouvrir, mais en même temps, tu as tendance à vouloir partir en arrière. C'est comme si tu veux, mais tu ne veux pas. Oui. Et tu as une grande mission sur la terre. Mais tu te mélanges toujours avec les gens qui ne te comprennent pas. Et je vois aussi un traumatisme d'enfance. Comme si tu as peut-être ta mère qui a vécu ce même cheminement. Tu te retrouves avec le même cheminement. Pourtant, tu as appelé à aider beaucoup de personnes. À délivrer beaucoup de personnes. Demande un lavage de détachement. Tu prends un kit fondation d'abord. Ouais. Tu vois. Là, c'est devant la porte là-bas bien. But I have a good day. Bonjour, tu as demandé une lecture, c'est le moment de récolter, tu as semé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais là tu es sur le point de récolter, donc il faut que tu as une offrande à l'eau que tu dois faire, ta saison de promotion aussi est arrivée, donc tu t'es parfois demandé pourquoi tu connais autant de solitude. Mais ça aura un sens, ça va commencer à avoir un sens. Tu es une personne qui a beaucoup de responsabilités dans le spirituel. C'est un peu comme si on t'avait set up, on t'a organisé, on t'a coincé. Et tu as l'impression que, avant, tu avais l'impression que tu étais. On t'avait aussi beaucoup trompé. Genre, tu rencontrais des hommes qui te trompaient, qui abusaient de ta confiance, de ta gentillesse. Voilà. Pourtant, tu es une personne que dans ta nature, c'est comme ça. Tu es une sorte d'éveilleur éclairé. Oui. Et ta créativité aussi. Il faut que tu te concentres peut-être pour écrire un livre. Sois un peu plus profonde. Genre, tu es très superficiel. Parfois, tu restes dans ça. Tu sais que tu es censé peut-être te laver au pipi. Tu ne te laves pas. Ce que tu es censé faire telle chose, tu ne fais pas. Voilà. Donc, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Les lectures de cartes, c'est pour ceux qui ont payé. Je fais les promotions aujourd'hui. Donc, tu as une sorte de prison aussi dans laquelle tu te retrouves. Parfois, dans tes rêves. Et ça, c'est une sorte de prison spirituelle familiale qui t'a été léguée. Bonjour, bonjour. Je lis ceux qui ont payé le matin. La promotion sur les lectures. Bonjour. Alors, comme tu cherches encore ton chemin. Et en cherchant ton chemin, tu doutes beaucoup de toi. Et tu le cartes, c'est 15 000 aujourd'hui. Tu doutes beaucoup. Tu as un manque de confiance en toi. Ça te suce ton énergie, en fait. Ça te vide. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu as aussi des contrats d'âme. Un peu comme c'est des accords que tu as passé dans tes anciennes vies avec des personnes qui font que tu te retrouves dans un truc, tu veux sortir de là, mais tu n'arrives pas. Tu veux sortir de ce... tu n'arrives pas à sortir. Voilà. Et il va falloir que tu pousses un peu les choses. Tu approfondis ton travail spirituel pour pouvoir te sortir de là. Ne néglige plus ta spiritualité. Ne néglige plus. Vois comme si dans le passé, tu as un peu négligé. Pourtant, tu as la force. Tu as le don de la force. Le lion noir, c'est un de tes animaux spirituels. Voilà. Et c'est un peu comme si on t'avait attaché. Oui, tu peux payer par PayPal. Je vais te donner comment payer. Il y a aussi beaucoup d'événements imprévus qui vont venir sur ton chemin. Parce qu'au bout, il y a la promotion. Tu te vois un peu traverser des nuits noires de l'âme, ton corps te fait mal ta chair, mais tu n'abandonnes pas. Et au bout, tu sens la paix, l'harmonie. Tu vas briser les malédictions qui peut-être empêchaient ta mère d'être mariée, empêchaient aux gens de ta famille d'être riches. Donc, il y a des trucs comme ça que tu vas briser.
Oui, et pour l'instant, tu as l'air épuisé un peu. Tu as la sensation que tu es épuisé, qu'il y a quelqu'un qui t'épuise ou quelque chose comme ça. Donc ne te dérange pas, ce n'est pas. Ça, c'est pour révéler la lionne qui est en toi. Tu as le don de la force, comme je t'ai dit. Et tu as un esprit de dirigeant. Mais il va falloir que tu travailles beaucoup sur ta confiance en toi. Pardonne aussi à tes ex, s'il y a des personnes dans ton passé à qui tu n'as pas pardonné. Voilà. Et tu dois aussi rester très calme pendant cette période. Sois très calme actuellement parce que tu auras la tentation de partir, de laisser tomber. Il va falloir que tu persévères. Voilà. On demande un lavage de déblocage et tu prends un kit fondation. Après, tu prends le kit des envoûtements. Ça s'est passé comment? Oui, madame, nous fumons. Bon, madame, j'ai mis le bas sur le riz dans la voiture et le nécessaire pour le lavage. Vous avez retiré un petit riz, non? Pas trop long. Non, pas trop long. Ok, c'est bon. Et le nécessaire pour le lavage aussi. Les gens qui sont ici ont fini? Presque. Ok, c'est bon, non? Oui, du coup, on parle. Moi, pas après. Pour payer par PayPal, je vous donne le nom. Aurélie, A-U-R-E-L-I-E. Aurélie Michel, 2017@gmail.com. Tu as demandé aussi la lecture des cartes. Aurélie Michel, A-U-R-E-L-I-E, 2017. Michel, M-I-C-H-E-L-L-E, 2017@gmail.com. Voilà. Vous payez à ce truc-là. Bon, je te fais ta lecture aussi. Orange Money. Orange Money, c'est 655-31-07-50. 655-31-07-50. Tu peux payer ta dîme, oui. Bon, tu as le don du commerce en toi. Je vois beaucoup d'argent entrer, venir, sortir, oui. Mais aussi des imprévus, genre peut-être tu as essayé dans le passé et tu t'es planté totalement. Donc, c'est une sorte de peur. À chaque fois que tu repenses à ça, tu as peur. Et pourtant, c'est dans ta responsabilité. Tu as de hautes responsabilités. Beaucoup de vie compte sur toi. Donc, tu ne peux pas t'amuser, en fait. Tu ne peux pas t'amuser. Et tu es censé être célèbre. Les gens doivent te connaître à un certain moment. Donc, je vois aussi la fatigue, l'épuisement. Parce que j'ai l'impression que tu veux tout faire seul. Tu ne dépends pas de l'esprit. Et parfois, tu culpabilises aussi parce que tu penses que tu es en retard par rapport à ta vie. Bon, il va falloir aussi que tu acceptes où tu es. Tu ne te juges plus durement. Tu as pris du retard, ça c'est vrai. Mais là, je vois l'argent aussi qui est en train d'arriver, beaucoup d'argent. Et on te donne beaucoup de tes instructions dans les rêves. Donc il va falloir que tu écoutes. Et tu vas aussi voir beaucoup de chiffres, beaucoup de synchronicité. 12h12, 11h11, 444, 333. Voilà, ça c'est juste pour te rappeler en fait que tu es sur le bon chemin. Que tes anges veillent. Ce que tu as demandé en train de venir. Bon, tu aussi peux avoir des femmes, des membres de ta famille qui ne sont pas bien. Il y en a qui ont essayé de faire des incantations contre toi. Voilà. Et tu m'écris, je ne réponds pas, ce que je n'ai pas vu.
Donc, je vais faire cette dame. Salut. Pas beaucoup de confusion dans ton énergie. Ça, c'est aussi parce que ton esprit, tu es une personne que de ta tête, tu peux concevoir beaucoup de bonnes choses. Quand tu restes comme ça, tu reçois souvent des visions. Et de tes visions, si tu prends tes visions au sérieux, tu peux créer de grandes choses. Mais ça aussi, c'est très attaqué. C'est attaqué dans le sens où l'ennemi va beaucoup jouer avec ton mental. Tu es censé beaucoup voyager. Donc, si tu es bloqué dans un pays depuis un certain temps, ça, ça va être une stratégie de l'ennemi contre toi. Donc, ton moment de briller est arrivé aussi. Et voilà que tu te rappelles de ça. Donc, tu es quelqu'un qui est censé aider beaucoup de personnes sur la terre. À toute personne qui doit aider, l'ennemi se pointera pour déranger. Donc, rappelle-toi de cela. Tu as aussi le don de la générosité. Tu es une personne que tu aimes beaucoup donner. Tu aimes donner. Tu dois allumer les bougies chez toi pendant 7 jours. Allume les bougies, une bougie par jour pendant 7 jours. Et tu dois aussi renaître de tes cendres. Tu es une personne que tu vas beaucoup aider les gens, donc on va te tuer ou on t'a tué plusieurs fois. Mais tu te relèves toujours, tu arrives à te remettre sur les pieds. Tu as le don de guérison. Tu peux guérir même une terre. Tu te mets dans un pays comme ça, le pays prospère, les choses s'améliorent dans le pays. Ne te fatigue pas de faire du bien parce que la bonne saison est en train d'arriver. Voilà. Fais aussi un jeûne de 3 jours. Ça va aider dans ton aura. Je te remercie. Il faut commencer par le kit déblocage avant le kit désenvoûtement. Rien ne va dans ta vie. Il faut que tu cherches pourquoi ça ne va pas. Là, je lis ceux qui ont payé. Je ne les fais pas les lectures gratuites. Je conseille déjà assez. Selon mon opinion, je conseille assez déjà. Merci pour la fleur. Le déblocage, c'est la lecture seulement, c'est pas le déblocage que je fais. Je lis juste d'abord. Pourquoi vous venez toujours plaindre que rien ne marche dans ma vie? Bonjour Diane.